How are you? Carré policier civil à leur place. Morning, Nick. Are you? Bonjour, monsieur. Bonjour. Morning, how are you? J'écris tout à fait français, c'est pas un secret, puisque moi je suis même persuadé qu'au sud de la Loire, on ne comprend pas toujours ce que je dis. Mais j'ai toujours pensé américain quand on écrit ce genre de film. Bon, là ça se passe pas mal. Faut qu'ils courent plus vite, hein, les gendarmes, là-bas. Oui, il faut que ça soit très vite, les gendarmes. Déployez-vous davantage, vous êtes trop serrés, là. Comme dans les manies. De son mur. Voilà, on déploie. Je pense que les journalistes doivent être moins frais, quand même. Can you explain us in a few words what is your character in Canicule? Well, I don't want to give the whole thing away, but what he is he's a kind of a displaced American gangster in Europe, in France, and his world, which is a world of crime that he knows from America, he utilizes in France, but in a follow-up, in being caught in this one situation with the police, he has to escape to a situation like this, which is something he's not familiar with, and that is the basic attitude of the men of the earth of the farms, and so he's really confronted with a problem that is very difficult for him to handle. Il arrive devant un ordre, tu vois. Alors maintenant, messieurs, on essaie de... C'est toi qui tournes, c'est sûr de tourner. On marque. Il faut que vous essayiez de serrer au maximum, parce que du coup, vous bloquez toute la colonne après. Et alors, donc... C'est que lui, son coffre, c'est ouvert, alors je t'arrête. Ah bon, c'est le coffre. Ok. On est en vie, ça. You can explain what is the subject of Canicule for, if you have to say, well, I would say that the subject offhand is the very sharp, slick, modern man caught up in a situation where the past, the men of the earth, the working men, the farmers, can outdo him in their logic thinking. And even in their bad thoughts, which in other words, the shadow of each man is equally as bad. So he's confronted, you know, in a sense, with the conflict of the badness of the earth man as opposed to the badness of the city man. And when they meet, it's very dramatic. T'es pas avec lui là, t'as fini ton stage aux effets spéciaux? Hein? Oui, il a été renvoyé. Ouais, t'as lourdé. Un bon film, c'est d'abord une bonne histoire.
Et là, il y a à l'origine un très beau roman de Jean Vautrin, alias Jean Hermant, Canicule, et qui est un roman tout à fait exceptionnel, je crois, dans le paysage du cinéma français ou de la littérature française. Je ne sais pas si ceux qui sont dans les petites voitures, les journalistes, ont le toki-waki, parce que le top des gendarmes doit se suivre avec le top des autres. Parce que quand on dit partez, eux, ils ne voient même pas les gendarmes partir, ce qui fait que les autres sont partis, eux, ils arrivent trop tard. On est tout à fait dans le climat du polar noir, violent, américain, dans les romans de Caldwell, dans toute cette littérature-là. Les gendarmes, il y en a qui vont abandonner les voitures, ils vont partir parce qu'ils en ont marre, tu comprends? Celle-là était bien. Bien ça, hein. Oui, mais attends. Alors, on va répéter depuis le moment où c'est en place. Ça y est. Je suis celui qui a tué Jimmy Cobb. Agnello de la Croce. Tu peux recommencer ton nom, petit? Je m'appelle pas petit, Agnello de la Croce. C'est une critique de la télévision, des journalistes, parce que chaque fois qu'il y a quelque chose, ils arrivent tout de suite au courant et ils mettent toujours plus de morts qu'il y ait. En tout cas, ils essaient toujours de faire beaucoup plus d'action qu'au fond il y a en réalité. Les paysans bosserons qu'il y a dans ce film-là sont très très proches des paysans du Middle West américain. Je vous dis qu'on a vu dans La Route au tabac, qu'on a vu dans toutes ces choses qu'on a aimées. On est très près de ce climat-là. Alors je vois pas pourquoi les Américains en feraient pas leur affaire. Hein. Il y a trop de mecs qui s'appellent Jean. Mais ça commence à m'énerver à tous les coups, ça y est, à tous les coups, je m'agite. Tu sais que c'est un mec qui s'appelle. Vous ne voyez pas qu'on tournait là, qu'on était en train de filmer, vous passez.